Hi, my name is Grace Page. I'm a current health trainee in Peace Corps Cameroon. Today we're going to be doing some fun stuff. We're going to be starting off by making some nutritious porridge for children that are 6 months and above. And then after, we're going to learn how to make some tofu. Voilà tout ce qu'il faut pour composer la bouillie bamisa. Donc pour avoir un sachet comme ça, on a les composants. Ici, c'est le soja, le maïs déjà lavé, on a apprêté. Mais aujourd'hui, vous allez travailler vous-même. Pour le faire, on commence par le tri. On verse le soja, le maïs sur le plateau. Et vous allez découvrir que dans le maïs, pendant qu'on égraine, certains ne prennent pas soin de trier directement. On verse tout ce qu'on a dans le sac pour vendre. Donc, nous allons commencer. Vous allez distribuer les plateaux. Oh maman. On va manger le couscous. La seule femme du Nord qui nous reste. Y a-tu vu? Qu'est-ce que vous voyez? La salade est en haut. Vous voyez le geste qu'elle fait là? Elle est très bien. Yes. Pour éviter que c'est le sable. Madame Nadine is getting the fire ready. The food, like the powder food that you have. So all of this has to be tested. And there's a center in Yaoundé called Centre Pasteur. That's where they do all the analysis and double check and make sure that there's compliance before this can be sold out. So that's why she made sure that she emphasized the hand washing. So that we understand that there's a whole process and at some point all of this is going to be checked before consumption. C'est le soja qu'on a trempé dans l'eau pendant 4 heures. Et ça s'est déshydraté, ça a gonflé. On a écrasé. Ok, c'est bon. Et quand on écrase, on obtient cette pâte. Maintenant, on va y ajouter de l'eau. Tournez le maïs, l'arachide au sol. Notre tofu, nous venons de faire la deuxième étape. La première étape consiste à acheter du soja, trier, enlever les mauvais grains, les grains pourris, laver et tremper pendant 4 heures au moins et 6 heures maxi. Le soja ne doit pas être trempé à plus de 8 heures parce que ça se fermente. Ça se fermente. Vous pouvez faire le tofu et le gâteau. Vous pouvez faire comme ça. Si ça met du temps, il ne sera pas ferme comme ce morceau. Et il est spongieux. Si ça traîne, ce sera comme du pistache. Ça ne va pas être ferme. Et nous allons déguster tout à l'heure. Lorsqu'on aura mis dans le sac, on va passer à la dégustation. On peut manger comme ça. On peut découper en petits morceaux avec la vinaigrette, tomate, carotte. On mange, c'est bon. On peut préparer comme de la viande avec du sel, du piment. Moi, je prépare, je frie et puis je mets dans la sauce de gombo ou bien dans le légume sauté. Donc, je prépare ça sur multiforme. Est-ce qu'on peut mettre ça au frigo?
Oui, ça se conserve même dans le congélateur. Donc, je nous disais qu'il faut tremper le soja, toujours le laver. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur le lavage des céréales, légumineuses et tout, sauf les arachides qu'on prend soin de trier? Et quand l'arachide est sale, on trouve souvent les arachides avec un peu de poussière. Ça veut dire l'arachide a mis du temps dans le magasin, et ça a été charançonné, mais on vend toujours. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir un tissu en coton, le mouiller, verser les arachides dessus et secouer. Ça enlève cette poudre-là. Vous le faites une fois, deux fois, trois fois même avant de griller les arachides ou alors tremper pour préparer le ndolé par exemple. Ça va commencer à faire des petits trous. On ferme juste pour que la flamme monte. Hein. Vous voyez, ça se détache. Ok, on ne met pas beaucoup de vinaigre. Ça dépend de la quantité. Oui. Pour 5 litres, 5 kilos de soja, vous mettez 1 litre et demi ou 2. Il y a déjà des morceaux qui se forment là. Vous avez vu? Des morceaux de viande. Enlève le bois. Attention. Moi, il salisse déjà. Imaginez. Voilà. Et vous allez voir, l'eau ira d'un côté. Vous voyez déjà la séparation. Vous savez, habituellement, quand on est seul, on peut faire ça. On accroche sur le seau et on travaille. C'est pour essorer. Regardez ce qui se passe. C'est pas la main. Évitez de poser la main. Vous voyez ce que je fais pour éviter le contact. Donc sur le plastique, je continue de tourner. Vous voyez l'eau fuit, n'est-ce pas? Oui. On va poser le plateau. On va prendre un plateau qui sera. D'habitude. Pour éviter de faire cette pression que je fais là, vous pouvez chercher un matériel avec plus de poids. Comme une pierre. Comme une pierre. Vous posez. Ça va vous prendre environ même la 30 minutes. Oui. Ça va, ça sera déjà fait. Et c'est bon. Quand on coupe comme ça, pour la maison, il n'y a pas de fond. On va passer à lui. Faire frais quoi. Mm-hmm. Alors, sans fond. Yoa. Réponse. On mange pas. First, open the packet and mix with clean water. Make sure all the clumps are removed. After mixing thoroughly, add it to boiling water and continuously stir while adding in brown sugar for hydration, and then it's ready to serve. Maman Lydie. Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes en train de déguster quelque chose de très spécial qui est une originalité de votre association. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Oui. C'est très bon. L'association Progrès Plus, ici en Balmayo, fait la lutte contre la malnutrition infantile et le suivi des personnes malades âgées et même des personnes vivant avec le VIH dans le domaine de la nutrition. Là, vous prenez une tasse de bouillie liquéfiée concentrée. BLC signifie bouillie liquéfiée concentrée. C'est un produit Bamisa, bouillie amylasée de mil au maïs, soja, arachide. Voilà la composition et la bouillie que vous prenez. Ça, c'est fantastique ce que vous faites. Ah, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'origine de cette association? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ou bien à commencer cette association? Bon, l'association Progrès Plus, créée par Melingui Thérèse, qui actuellement est en Guinée, a pensé que c'était à moi qu'il fallait confier cette association. Et en me confiant l'association, nous avons reçu la visite d'un Français, le frère Xavier Laurent, qui passait faisant la promotion des bouillies composées, enrichies.
et il est tombé sur Melingui Thérèse qui l'a accompagné vers moi en lui disant que pour moi je ne fais pas les bouillies mais la présidente de l'association fait les bouillies. Je faisais déjà à ma méthode qui était différente de celle que nous faisons aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous avons été formés par le frère Xavier Laurent. Il nous a appris la formule 621 et la préparation de la bouillie, recette 1, 2, 3. Et depuis 18 ans, c'est ce que nous faisons. Ah, ça c'est formidable. Et en dehors donc de la bouillie, mm-hmm. est-ce qu'il y a d'autres produits que vous, disons, faites, vous produisez? Oui, bien entendu. Et quelle est votre population cible? En dehors de la bouillie, déjà l'activité phare de notre association, c'est la production de la farine Bamisa pour toutes les familles et pour les malades en particulier. Et comme autre activité, nous faisons dans les jus de fruits, nous faisons dans l'extraction des huiles essentielles, à savoir huile de prune, huile d'avocat, huile de noix de coco et le caramel de gingembre. Mm-hmm. Là, ce n'est que ce que j'ai pu citer. Il y a également l'extraction des huiles telles que le beurre de cacao mm-hmm, que nous faisons. Maintenant, nous avons une autre ouverture. Voyant que ce à laquelle la population ne s'intéresse pas trop, c'est là où nous nous trouvons notre compte, nous faisons la valorisation des déchets plastiques pour éviter de polluer l'environnement. Et cette activité empêche aux enfants de se balader inutilement. Nous les concentrons tous autour de nous parce que permanemment, il y a des activités à faire et on gagne à les avoir auprès de nous pour éviter ce mauvais fléau qui est dehors. Oui. Vous le savez tous, les stupéfiants et autres. Mm-hmm. Et donc, votre population cible en dehors des enfants, des bébés de 6 à 24 mois, mmh. quelle est l'autre cible? L'autre cible, c'est les malades en général. D'accord. Et parlant des malades, nous sommes contents parce que la bouillie Bamisa que nous préparons à l'hôpital Saint-Luc tous les matins fait témoignage de nos activités. D'accord. Et nous sommes contents de savoir que les malades qui sont à l'hôpital Saint-Luc de Balmayo sont heureux d'être de leur séjour là-bas parce qu'ils passent, ils y prennent la bouillie tous les matins. Et parlant d'autres cibles, ce sont les réfugiés du Caire, les enfants abandonnés. On retrouve les jeunes filles mères qui abandonnent les enfants à leur grand-mère et puis on est obligé, là, dans le domaine social, de s'impliquer. D'accord. Oui. Mm-hmm. Sans doute et alors, moyen, mais nous le faisons quand même. Si on veut entrer en contact avec vous, oui. parce que vous nous aviez signifié tantôt que vous n'êtes pas seulement ici à Balmayo. Non. Vous êtes également apparemment dans l'Est, oui. à Touri, mais peut-être dans le Nord. Mm-hmm. Si on veut entrer en contact avec vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, le fait que vous m'ayez touché veut dire que vous avez touché toute la plateforme du Cameroun parce que nous sommes en contact. À Bertois, vous trouverez Madame Abbé Esther qui fait dans le produit Bamisa depuis plus d'une dizaine d'années parce qu'elle le faisait déjà à l'extrême nord où elle travaillait et affectée à Bertois. Elle continue la même activité. Et à Batouri, Madame Nzenge Apuma, Marie, elle l'a fait et elle le fait, mais pas au rythme attendu parce qu'il n'y a pas de clientèle. Et vous savez, tout produit comestible a une date de péremption. Quand nous conditionnons le sachet Bamisa, nous avons 6 mois pour le consommer. Au cas contraire, on perd les sachets qui ne sont pas vendus. Et c'est ainsi donc que nous nous retrouvons à produire moins. De ce côté particulièrement, à Batouri, elles produisent dans le cadre familial et en groupe avec les autres femmes, groupe de fabrication communautaire. Oui. Mm-hmm.
En tout cas, je veux vous dire que nous, en tant que stagiaires du corps de la paix, oui, de la santé, nous avons beaucoup appris de la session de formation que vous nous avez accordée. Oui. Et nous vous sommes vraiment reconnaissants. Ah, merci. Merci. Nous sommes contents de le savoir. Nous attendons la fiche de notation, oui, et la feuille de présence pour nous permettre d'enrichir notre rapport. Nous souhaitons également que partout où vous serez, pensez aux enfants en difficulté en leur faisant un apport, soit de sucre, soit d'un sachet de bamisa. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous trouverez un point de distribution Bamisa. Et je ne manquerai pas de vous donner le contact du réseau Bamisa Cameroun et vous pourrez joindre où vous vous trouvez le responsable de la zone. En tout cas, merci infiniment. Ok, merci bien.